Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà sur le mardi, l'abomination dévastatrice. Dans son grand discours sur la fin des temps, Christ renvoie à l'abomination dévastatrice. Matthieu 24, verset 15. Image tirée du livre de Daniel, Daniel 9, verset 27. Quand Dieu déclarait qu'une chose était une abomination, il s'agissait d'une grave transgression de sa loi, comme l'idolâtrie, Deutéronome 27, verset 15, ou des pratiques sexuelles immorales, Lévitique 18, verset 22. Tout le fait que cette abomination dévastatrice implique une forme d'apostasie religieuse. Lisons Matthieu 24, verset 15 et Luc 21, verset 20. En quoi ce texte nous aide-t-il à mieux comprendre ce dont parlait Jésus concernant l'abomination dévastatrice? Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ces deux textes sont clairs. La prédiction de Jésus comprend, dans un sens plus immédiat, la terrible destruction qui devait s'abattre sur Jérusalem en 70 de notre ère, quand la Rome païenne détruirait non seulement la ville, mais également le temple sacré. Cependant, il y a un second accomplissement de cette prophétie. Les événements plus immédiats, comme la destruction de Jérusalem, servaient de type pour des événements à venir. En Jérusalem, Jésus voyait le symbole de monde endurci dans l'incrédulité et la rébellion, se précipitant tête baissée pour subir les jugements de Dieu. Dans Daniel 12, verset 11 et Daniel 11, verset 31, l'abomination dévastatrice apparaît en lien avec la dernière phase de Rome, la phase papale, dans laquelle un système alternatif de médiation et de salut a été mis en place, système qui cherche à usurper ce que Christ a déjà fait et qu'il fait en ce moment pour nous dans le sanctuaire céleste. Daniel, chapitre 8, en particulier les versets 9 à 12, nous aident à situer ces événements dans leur contexte historique avec une puissance romaine en deux phases. La première phase, que l'on voit dans la rapide expansion horizontale de la petite corne, Daniel 8, verset 9, montre le vaste empire de la Rome païenne. Dans la seconde phase, Daniel 8, verset 10 à 12, la petite corne se développe verticalement, fait tomber une partie des étoiles, persécutant le peuple de Dieu et se grandit jusqu'au prince de l'armée, Daniel 8, verset 11, Jésus. Cela représente la phase papale née de l'effondrement de l'empire romain païen, mais qui reste Rome. C'est pourquoi un seul symbole, la petite corne, représente les deux phases de la même puissance. Le jugement dans Daniel 8, verset 14 et les signes dans le ciel de Matthieu 24, verset 29 signalent tous l'intervention de Dieu en faveur de son peuple dans les derniers jours. Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans le monde actuel, de nombreuses influences et distractions entrent en conflit avec nos croyances chrétiennes. De quelle façon pouvons-nous identifier les supercheries que le monde nous présente? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.